Fidèles spectateurs, amis de cette grande émission d'excellence qui est présentée en toute honorabilité, Carrefour, Vert et Noir, bonsoir et bienvenue dans ces nouveaux numéros. Ensemble avec nous, nous avons tant de choses à nous dire ce soir, donc vous ne serez pas du tout déçus parce que je ne suis pas seul sur ce plateau. Il y a notre invité qui était là la fois dernière parce que la fois passée, nous avons réussi sur ce plateau les Congo Buzz Télévision, les secrétaires généraux de l'ESV Club et son adjoint. Et cette fois-ci, nous avons encore le plaisir de recevoir pour la deuxième fois Jacques Dromo, le buteur de la prolongation. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro. Bonsoir, Santo. Bonsoir aux nombreux téléspectateurs. Bonsoir également aux nombreux supporters de l'ASV Club ainsi que des autres équipes qui nous suivront au moment voulu. Un grand merci à vous, un grand merci également à tous ceux qui sont branchés en ce net moment sur Congo Bezo Télévision. Laissez-moi saluer deux personnes, mon boss Christian Bossembe, l'intelligence et la sagesse au service de la presse congolaise, pourquoi pas à mon dipro Jérémy Béton, ainsi qu'à tous ceux qui sont branchés en ce net moment sur Congo Bezo Télévision. Makamunabino yango e banine tu sarabino équipe nzambaku misara oba ange wabete la ramaboko ezala kamoko ASV Club de Kinshasa, donc tokotonga ASV Club en long et en profondeur na pokwa lelo parce que tokomeka ko sala restitution na Italie na foot poli na foot et beta mikaka na phase aller hormis ça tokomeka un peu ko kota sus na bozindo na Italie organisation kaka ya lina foot wana ndenge lekela ki est-ce que ba organisateur le soni ni bango ba tirer pour la saison où il y a l'ina foot et aussi là et la saison prochaine on y n'est là pour que des agréments où il s'est mis cette saison et zaraté na banzi ensemble avec mon invité on aura le temps de décortiquer tout ce que je viens d'énumérer en ce net moment limité de la prolongation Jacques Dromois on va passer un mot la bande de sur voilà d'abisso en ce net moment la bande à non mais écoute on a remercié Bango du fait que bah, ça sera toujours disposé à Colanda émission. Vous savez combien ils sont nombreux et qui ne zappent pas lorsque cette émission passe. Donc, c'est comme ça que vous remerciez Bambo. Et de vous signaler à la bombe à continuer Colanda cette émission. Mais aussi de ne pas laisser tomber leur équipe chérie qui est là, ça va être clair. Voilà, donc, c'est tout ce que je peux dire à ce moment-là. Bah, nombreux téléspectateurs qui suivent cette émission. Un grand merci à vous, l'habitude de la prolongation Jacques Dromois. Un grand merci également à tous ceux qui sont branchés en ce net moment sur Congo Bezo Télévision. Ceux qui au Zangibiso n'a pas quoi aller avant que Toko Manabiso les jeudi pour l'andabiso à 15h10. Bolanda toujours chaîne Nabiso à Congo Bezo Télévision. Kuna la chaîne YouTube. Et monsieur Bandakoule Kanango, autant de fois que tu veux, bah, oh, yo que non, ils arrivent à imperfection pour nous. Au comé, ils sont dans le numéro, ils ont affiché, dans ces habitants de Biké, la bande semaine prochaine, pour nous comédier, qu'est-ce qu'on peut faire pour perfectionner, car l'œuvre humaine n'a jamais été parfaite. Il y a toujours des imperfections qu'on doit chercher à perfectionner. Tant que nous serons vivants, il y aura toujours des imperfections. Donc, mais ça a un peu le lingala mais il y a mon touya et zali lelo tout ça mais quand même que bêta masona ou était à l'ina foot comment l'ina foot et bêta mis cette saison est-ce que bandego oboko l'andabiso na banda kuba amouré à ballon rond bon c'est pela qui n'a déroulement il y a l'ina foot il y a saison au yotobo c'est pela qui n'a de beau comme l'abisso à travers notre chaîne YouTube Congo Buzz Télévision Congo Buzz peut beau comme l'abisso l'issue à travers ma numéro et affiché dans ces habitants de Biké. Nous avons besoin de suggestions pour stimuler les sous. Comme je l'ai toujours dit, je ne cesserai jamais de le dire. Notre souci a toujours été de mieux faire pour bien vous servir à travers cette grande émission d'excellence qui est présentée en toute honorabilité, Carrefour, Vert et Noir. Le buteur de la prolongation, Jacques Dromois, n'a zongé pas non. Tout est que l'Andabiso n'y a pas de foot, n'y a pas de maki. Pour l'information, on va développer par l'Andabiso phase retour et zate. Attends qu'un amoureux du foot, un analyste sportif, les sonni ne au tirer, n'a l'ina foot, n'y a pas de phase unique. Merci beaucoup. Bon, écoute, c'est une grande déception de réaliser qu'un championnat n'a pas connu une fin heureuse, mais c'était prévisible au regard des difficultés rencontrées au cours de son déroulement.
Donc, Troca, Moité, que championnat, on a ici, là, moi, je dirais même que c'est un championnat qui s'est terminé en queue de poisson. N'est-ce pas? Un championnat devrait se jouer en aller comme au retour, mais curieusement, le championnat s'est arrêté à mi-chemin. Tout ça parce que, quelque part, il y a eu manque de moyens. Toyebi, championnat Tango et Bandaki quand même assez bien, mais avec le temps, on s'est rendu compte que le championnat, ils ont été suspendus. Tout simplement parce qu'il a manqué à peu près 320 000 ou je sais pas 360 000 dollars américains à payer aux transporteurs. Vous voyez que le championnat Nabiso est un championnat qui fait que les équipes puissent se déplacer d'un coin vers un autre. Et au vu des difficultés, tout ça en ce qui concerne Bavion, pour ne pas dire la société aérienne Nabiso, on s'est rendu compte que l'État non plus n'a pas honoré ses engagements en payant ce qui était prévu pour que les championnats se déroulent convenablement. À cela, il faut ajouter des mauvaises décisions prises par le ministère du Sport qui a préféré arrêter les championnats afin de permettre à l'équipe nationale de se préparer. Et curieusement, les joueurs qui sont allés en préparation n'ont jamais été utilisés au cours des matchs officiels. Tout cela fait en sorte que, finalement, le championnat au Batumingi, Bazako, Tala, Bazako, Landa, et Kokako, Souka, Nenge, Soukaki, et ça n'est pas si nama, mon ami, Tema, comme Tolobaka. Mais voilà, c'est ça la situation. Donc, je pense que avec la fin avec cette fin-là, que personne n'attendait le championnat, avant qu'on redémarre la nouvelle saison sportive, il va falloir que le comité de la LINAFOOT puisse se réunir afin de faire l'évaluation. Est-ce qu'il faut continuer avec le même format championnat? Vu les difficultés qui sont les nôtres, parce que qu'on ne se les cache pas, notre pays a un problème en ce qui concerne la société, en ce qui concerne les sociétés d'aviation, Boyibiango. Est-ce que doit-on continuer avec le même format? C'est comme ça, une évaluation du championnat qui vient de s'arrêter à mi-chemin est très importante afin de lever les options. Ceux qui ont continué à rendre tout ça la saison passée, ben, les résultats sont connus. Les championnats ne connaîtront pas non plus une fin heureuse. Donc nous disons, nous devons tirer les leçons du passé, c'est dire ce qui n'a pas marché hier puisse marcher demain. Mais ceux qui ont été toqués à rendre tout ça, demain il y aura reprise du championnat. Et j'ai bien peur que les mêmes causes puissent produire les mêmes effets. Voilà, M. Sant, tout ce que je peux dire en ce qui concerne notre championnat. C'est un championnat qui n'a pas connu une fin heureuse, due notamment aux difficultés de voyager ou de se déplacer des différents clubs à travers la République. Difficultés occasionnées, entre autres, par les non-respect des engagements du gouvernement, d'un côté, mais aussi de l'autre côté, certaines décisions prises de manière intempestive par le ministère du Sport, sans tenir compte des supporters, des amoureux, des nombreux amoureux du ballon. Alors, eu égard à tout cela, comme j'ai dit, une évaluation s'avère indispensable. Pourquoi cette évaluation? Il va falloir qu'on lève les options sur le format de notre championnat. Est-ce que nous devons continuer avec le même championnat sous ces formats-là, ou doit-on lever des options pour qu'on trouve d'autres formats qui permettront à ce que les championnats qui a commencé puissent connaître une fin heureuse? Un grand merci à vous, Jacques Dromo, à l'habité de la prolongation. Un grand merci également à tous ceux qui sont branchés en CNET, Momassi, Congo Bezo Télévision. Pourquoi pas, c'est notre chaîne YouTube Congo Bezo. On a bandé réunion sur Obo Kolandabiso, Jacques Dromonti, Kolobeza Moutouya. Il faut toujours évaluer. Et moi, j'ajouterais ceci, après les deuils, on balaye la cour. Parce que Obiso, on a tout qu'on vivre, ils ont vraiment championnat, Otomisana Kolandate, un championnat champagne, comme on a l'habitude de le faire. Donc, on doit balayer la cour pour que les choses redeviennent à la normale. Et entre ces organisateurs, il y a l'INAFOOT, il n'est pas tard pour mieux faire. S'occuper. Ils ont un sens supérieur. Ils ont un foot. Ils ont un peu revoir. Peut-être qu'ils ont Jacques Dromonti. Ils ont un peu changer la formule. Ils ont un foot. Ils ont permettre que pourquoi pas créer des zones. Ils ont un peu de temps.
playoff, n'est-ce pas, monsieur Jacques Drouin? Bien évidemment, vous savez, la différence entre nous et les animaux réside dans ceci. Niama, excusez-moi, j'aime bien cet exemple-là. Oui. Amoni Ntaba, celui qui a été tamboré longo. Ntaba, moi, je suis à l'ibulu. Ma monsieur, je vais au télé matin. On se voit quoi, il y a un l'ibulu. Mais puis, c'est toi, battu. On a organisé un championnat. On s'est rendu compte que on a été confronté aux nombreuses difficultés. La première difficulté, c'est celle de déplacer les équipes d'une zone vers une autre. Et cette difficulté est exogène. Ça veut dire qu'elles vont dépendre de la faute T. Elles vont dépendre de la disponibilité des moyens de transport aérien. Or, vous et moi savons que le cannabis est actuellement dans la société aérienne T. Donc, difficulté à déplacement, il y a des joueurs, il y a des équipes d'un coin vers un autre, et Zali. Ce n'est pas demain que ça sera résolu. Donc, on ne peut pas s'entêter à dire recommençons avec la même formule. C'est comme ça que j'ai dit il faut une évaluation, c'est dire eu égard aux contraintes, parce que les contraintes sont là. En dépit de la volonté Nabiso, la plus belle fille au monde ne donne que ce qu'elle a. En dépit de notre volonté, il y a une contrainte majeure. Oeza, l'absence d'une compagnie aérienne capable d'assurer les déplacements de nos équipes d'un coin vers un autre. N'est-ce pas? Même si, compagnie Angouezali, vous êtes rendu compte des difficultés où le gouvernement a eu à faire face pour arriver à honorer ses engagements vis-à-vis à l'entreprise Oyo, qui est chargée à déplacer ma équipe. Donc, on doit s'arrêter et se dire, tiens, cette formule n'a pas marché. Proposons une autre formule, un autre format qui fera que le championnat se déroule normalement. Pourquoi ne pas revenir à l'ancienne formule qui consistait à faire jouer les équipes dans leurs coins respectifs. Et à la fin, les deux premiers ou les trois premiers vont se rencontrer pour jouer les playoffs. On peut se dire, les playoffs vont se jouer, par exemple, à Lubumbashi, par exemple, à Kinshasa. Ou ça peut se jouer en aller-retour. En aller-retour, comme vous voulez, comme on l'avait dit. Mais jouer en aller-retour, le problème de déplacement va demeurer. Donc, comme ça sera dans deux zones, là, ça peut se comprendre. Ça veut dire que, oui, dans deux zones, comme vous avez dit, choisissons deux zones, les grands les playoffs au séjour, et finalement, le premier de chaque zone, n'est-ce pas, pourront se rencontrer sur un terrain neutre, pour mettre la finale, pour qu'il va départager le premier dans le deuxième. Par exemple, je ne dis pas que c'est la meilleure formule, mais ceux-là qui sont appelés à évaluer. Là, vous êtes en train de faire des propositions. Ce sont des propositions, comme je dis. Ceux qui sont appelés à évaluer vont analyser les pour et les contre des différentes propositions, des différents formats pour que finalement, qu'on nous propose une formule qui va permettre à ce que nous ayons un vrai champion. Qu'on n'ait pas un champion fabriqué comme... la saison qui vient de s'achever. On a un champion fabriqué, malheureusement. Mais c'est ça la situation, nous devons faire avec. Alors évitons les erreurs du passé, corrigeons ces erreurs-là, proposons une meilleure formule qui puisse faire en sorte que finalement, celui qui va gagner soit un champion qui sera accepté par tout le monde. Merci, merci à vous, le but de la prolongation de Jacques Drouin. Un grand merci également à tous ceux qui sont branchés en ce net moment sur Congo Bezo Télévision. Nenaï Sabino, tu continues avec le bango toujours. Ce que Zangi Bisson n'a pas quoi l'élo. Avant tout comme les jeudis, à 15h10, au Kekara, na Congo Bezo, na chaîne Abisso YouTube, Congo Bezo Télévision, au Golanda émission, autant de fois que tu veux, nous sur le Bami Awa. Alors, on a supporté ce qui est amour et sur le ballon rond. Le club a libéré déjà expatrié parce que phase retour et causalité. Et n'a pas quoi aller là. Il y avait une grande réunion où il y a un siège. Il y a SV Club, Bissika, coordination SV Club, l'absence de la présidente. Donc, président de la section foot, secrétaire général adjoint. Donc, coordination SV Club. Basta qui réunion la staff technique, il y a section foot, n'a pas quoi aller l'opon à Rueba,
qu'est-ce qu'il faut faire bah jouer en ligne avec les bah pointer bah joueur oyo vite à bandai colander là au vite et comment est-ce que va jouer bah beta bah jouer bah en a droit il y a que ça la test à ta côté parce que avec les mutois en a besoin bon avec les accueillir vers bango alors là bah joueur peut oyo avec les bah à que fongoler la porte bah que ça là bah essaye bah mais caroué bah tu vas venir dénicher quelques bons talents à Katuana bango ne va pas besoin tant il y a roulé quand l'exercice au binon boebi au misana koleka de temps en temps mais il y a Motuya Ezali staff technique il y a SV Club Mobimba au grand complet ils étaient là ce soir pendant cette réunion bah pesi oyo bango bazanango besoin na bango état de besoin bon bah talisango liboso à coordination il y a SV Club pour nako talisa bango que besoin na biso Ezali boeboya na ba poste tel oyo il faut bopé sa biso ba joueur le quoi bango moko pe ba yaki na ba joueur rwana ba joueur physiquement ba yaki te ba kumba ba joueur rwana yaki déjà donc rassurez-vous que cette saison campagne avec le Barça il y a recrutement la saison dernière ils a campagne avec le Barça cette saison c'est parce que les moyens sont là ngana ki ko rassurer topé ko assurer tous les vécribiens ainsi que toutes les vécribiennes au ba ko landa biso na ngonga oyo les moyens sont là. Et vos apaisements, la bande de recrutement, on va vous saluer la bino, c'est quoi, c'est pas la ma casse, parce que, vous voyez, le gouvernement en place, il y a SV Club, va vous payer ça le meilleur, de pour nous répondre, on a besoin, il y a pas avec les biens, nous, surtout pas avec les biens, nous, sur l'équipe, nous, et qui n'est pas de l'avant. Alors, le but de la prolongation, Jacques Dromois, Tozongelio, tu n'engages pas l'administration de l'SV Club. Merci beaucoup. Mais vie, Ndenge championnat et Betami, parce que l'entraîneur, l'expatrié, était parti depuis. Les staff ou étiquette qui composé uniquement des Congolais. Façon au Bakumbeli Masolo, Tina Souka, en tant qu'un amoureux du foot, Tobé Télabamo, beaucoup au PC, au commerce, au 10, qui ont reconduit, il faut toujours aller chercher encore un autre expatrié pour avoir la direction. Il y a staff technique, il y a SV Club de Kinshasa. Merci beaucoup, Santo. Je pense que. Je pense que ma question là n'est pas pimentée. Non, non, je vais répondre de manière générale et ça oui. Concerne toutes les équipes. Oui. Le problème, généralement, n'a jamais concerné les staffs. Le staff vient en second lieu. Le problème, c'est l'organisation que vous mettez à l'interne pour permettre à votre équipe de se mettre à niveau. N'est-ce pas? Comment vous organisez? Quelles sont vos prévisions budgétaires? Qu'est-ce que vous comptez faire en termes de recrutement? Quels joueurs vous avez pointés? Quels sont les moyens que vous mobilisez pour que vous soyez joueur ou non? Et quelles sont les conditions au Borotia joueur ou non pour que finalement, sur base de l'objectif, vous soyez signé dans le staff Nabino? Pourquoi vous avez un résultat escompté? Alors, si vous voulez que le père emboîte, ce n'est pas dans l'organisation ni en soi et Salemaka pour qu'on ait des résultats, je suis convaincu que les résultats suivront. N'est-ce pas? Donc, je pense que c'est un staff qui a guéri. C'est un staff qui a démontré de quoi il est capable parce que terminer deuxième dans la condition où ils allaient qui actuellement, ce n'était pas évident. Et personne ne leur donnait une chance. N'est-ce pas? Après avoir été éliminé de la manière que tout le monde connaît, de la compétition africaine, est homme d'ailleurs, comme vous le savez. Donc, ce n'était pas évident de voir l'ASV Club terminer à ces niveaux-là. C'est comme ça nous disons, on ne change pas l'équipe qui gagne. Donc, on va jouer au Bazawana. Et d'ailleurs, c'est ce qui concerne, ça concerne toutes les équipes. Il faut commencer d'abord par garder la meilleure ossature possible, la stabilité. Et les gages de réussite, garder les meilleurs éléments, garder la meilleure ossature et essayer de compléter par des éléments que vous trouvez qui vont réellement apporter quelque chose au sein de la SV Club. Et je pense que les Nalbaki staff n'ont pas suffisamment aguerri, n'avons pas de conseils à leur donner, ils savent ce qu'ils sont, ce qu'ils font, ils sont professionnels et nous allons, en tant qu'observateurs, voir comment est-ce qu'ils vont conduire. Ils vont conduire l'équipe pour la saison prochaine. Et surtout que, Ndengo Yebi, fait que le Barbet a l'un des championnats le plus robuste. Qui est... Les championnats que tu as toujours voulu hein? Qu'avec le ouais, que, mais il faut, c'est un championnat. Première qui zone et non seconde zone. Oui, on veut bien être dans la première zone, mais il faudra encore, comme nous disons, s'organiser pour que finalement, qu'on n'aille pas faire de la figuration. Hein? Que tout vivre était, tout vivre que la dernière là, fois. Là, tu parles comme Samuel Eto'o. La dernière fois où on a été humilié à la maison, on a été éliminé en 16e ou en 16e de finale. Donc, il faut
s'est préparé convenablement. Ne dit-on pas que qui veut aller loin ménage sa monture. C'est à ses staffs de prendre les dispositions pour que le VECREM ne fasse pas, nous fasse pas 11 dans la compétition. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Merci également à vous, les buteurs de la prolongation, Jacques Dromoy. La bande au Ekolobama Awa, tous en a besoin. Il y a une réaction, il y a une suggestion. Donc, nous n'avons pas critiqué comme il veut. Donc, critiquer objectivement, c'est bien, mais critiquer subjectivement, ce n'est pas du tout bien. Il est grand temps, tous à Kimoukades, tous à Kimoukades, tous à Makambou, dans l'Olenge à Malamo. Il y a de temps en temps un grand merci à mon boss, l'intelligence et la sagesse de la presse congolaise, maître Christian Bossembe. Pourquoi pas à mon directeur de programme, Balobi Jérémy Béton. Un grand merci à toi. Et de l'autre côté, la beau santé Néhémie Liwata. Balobi donc, ceux qui ont la bino, parce que Néhémie Liwata, Azawana en chair et en os, la beau santé équipe technique, mon maroza quoi accompagner Bissot, n'a pas quoi le Mais là-bas, la veille à Nyonso, au Bokolanda Bissot, dans Ngonga O. Aux sectionnaires, aux sous-sectionnaires, plateau n'a bu ces grandement ouvertes. Tant y a un beau méga collectif, organisation, un beau coup ça, y a un dégain. Tous en a besoin, bas structure, moko est à la en place. Na haut et tali bas section, neti section, bas y'a kakou n'est pas Jérémy Toukadia, Bobongami, Bobi, que non, les très chers Saint-Père, Papi dit, premier Mikaïl, on a les motivateurs de tous les motivés. Tous en a besoin, toi, pour les canaux émissions. Ceux qui te rejoignent, nous, on a Libanda. Tous les invités vont les caca soit une barara. Les très chers Saint-Père, Papi dit premier Mikaël, on a plateau Nabino. Rien à dire, coup de chapeau, on a des gens Nabino. Alors, faut te commencer un message Nabino, oh Nabino, Bolingara. Et on peut te bimisara. Ben, on a besoin de section paradis et pas à Petrus. Bon, Sangana, bon, il a besoin de vision Nabino pour la saison prochaine. Et on a besoin de groupe de réflexion. Balobi binonyo sobo sangana hein boye la biso penza ba makanisi na mieux tous en a besoin cette saison na bandi la saison dernière avec le Babima qui champion Asia Kotina Katia ba droit les cette saison théoriquement parlant avec le deuxième mais il y a des litiges ezakuna na katikuna balobi jusqu'au bout babi mama poutine yekuta sakana ne tabika jusqu'au bout donc batike lili na foot asala makambu soli na foot asali makambu na hein à Talisi Fédération. Parce que, entre guillemets, bande quoi de l'autre côté, va la champion. Mais, ce qui va litige, Joana, et bête mina n'engue le mobanité à total cas direction à Tassa, parce que, avec le micro, zate, que autant dima, que non, on ne doit pas se faire marginaliser. Donc, on a quatre à droit, on a besoin de droit, on a besoin si l'équipe OESA première en ce net moment, Batika Likara premier, hein, Batika Likara première parce que, Batali Penza qui a litige au Vecler, Batali Saribon qui avait eu ça comme problème, Vecler n'a pas raison. Ce qui Penza n'a lit soit souka, parce que Vecler est composé maintenant des juristes. Batali qui a une coopération, parce que jusque-là, le résultat a été suspendu. Jusque-là, Vecler n'a pas encore été notifié que coopération a mis au PSA et Bissouza Boeboe. Jusque-là, rien n'est encore dit, depuis que le résultat a été suspendu. Jusqu'à présent, dans le lobby, il y a un rumeur qui est en train de se faire. Il y a un rumeur qui est en train de se faire. Il y a un rumeur qui est en train de se faire. De la prolongation, Jacques Dromo, le lobby, Awa, qui est le premier connu, le deuxième est connu. Quels que soient les résultats, Vecler joue la première zone. Mais Vecler a des problèmes. Il y a un rumeur qui est en train de se faire. Vecler a des droits. Donc, à Robert, à Soussou Dada, à récupérer coopération. En somme, à Solé Simbité, automatiquement, on a une instance supérieure, on a dit, t'as 16 ans après, on a dit, c'est Jacques Dromo, on a évité de la prolongation. Est-ce que dans le lobby, Mabé, toi, en tant qu'amoureux du foot, tu es mon nom? Écoute, je pense que, apparemment, ils ont déjà tranché, on a vu une décision dans ce sens-là. Bon, maintenant, c'est aux dirigeants de Vecler de juger de la nécessité il y a quoi accepter ou de rejeter la décision. J'ai été au bureau aujourd'hui, je n'ai pas encore notifié. Voilà, en attendant que Vecler soit notifié, oui. Mais on a vu la décision. Oui. Si le jour où Vecler sera notifié, les dirigeants de Vecler pourront lever l'option. Hein? Tout dépend maintenant des dirigeants de l'AS Vecler. Sur ce point-là, nous n'avons rien à dire. Nous allons observer les faits, comment ça va se dérouler. Mais une chose est vraie,
actuellement, on dit qu'avec le B2M, avec le va jouer la Champions League. Alors, pour jouer la Champions League, il y a certains paramètres qu'il faut réunir pour qu'on n'aille pas faire de la figuration. Et ça, c'est de la responsabilité de ceux qui gouvernent ou qui dirigent la CVEC. Un grand merci à vous, un grand merci également à tous ceux qui nous suivent de partout. Babi chaîne YouTube, ya Congo Base Télévision, qui paye la moto, on a mouquete. Bande Roboko Mela Gibson à Londres, Kuna Bisika, grand prêtre pasteur Fiston Mario Azali, un grand merci. Na Oyobo Boemeta qui comme on va suggestion la bino, ba réaction la bino, tout CPA qui n'ont la banzi, tout en d'accord répondre bino. De temps en temps, la banzi, grand prêtre pasteur Fiston Mario Bisko, la Nepson à Moussika, tout Pesora Bambo, t'es bien un système, y'a Bima qui est matagé, qui t'a qui coma qui rien à dire de ce côté-là. Mais, n'a la bête à cette sikoyo, na Oyetali ba sectionnaire, y'a Ice Club de Kinshasa. Dans un rapport président sectionnaire Moroté. Dans un rapport contre président sectionnaire Moroté. Ce qui est saison Oyo et Bandé Kobanda très bientôt. Là, parce que va libérer, va jouer, va couper, ça va nous vacances il y a un mois. Va expatrier, va si, va que j'étais à l'administration de V-Club aujourd'hui. J'ai toujours l'habitude de le dire, cette émission, on n'est pas là pour faire du blabla. Donc, c'est une émission d'excellence qui est présentée en toute honorabilité. Tout côté en profondeur pour n'avoir pas de soucis. Il y a des dirigeants, ils ont des soucis, ils ont des supporters, ils ont des informations très très précises traitées avec beaucoup plus de professionnalisme et en toute honorabilité pour répondre à vos besoins, car notre souci a toujours été de mieux faire pour bien vous servir à travers cette grande émission d'excellence qui est présentée en toute honorabilité. On a aussi des supporters en général, des sectionnaires en particulier, il est grand temps, organisez-vous. Toutes les sections, Bocha Makambuna Bino en place. Bandekona administration publique, vous avez été la meilleure section de l'ESVEC de tous les temps. Mais les Lopé section administration publique, beaucoup section foot à travers Lambert Moussa Sane. Mais est-ce que Moussa la topé mission Oyobiso va supporter topé ça qui bino? Est-ce que vous beaucoup qui si en haut? Donc Moussa la Moussa Mouanenge, toutes les sections, dans notre temps, Bino Moko Moko, alors prochainement, tu fous le plateau. Au Jacques Drouma Sokae, à Zamba François Milaï, Jacques Drouma Rosala Pembeni. On a une pensée très constructive pour nous permettre que Bande Roba Hollande Abisson, on ne peut pas comprendre ni écoler. Mais bien au de votre côté, parce que ça tellement, vous êtes très bien embelli pour nous yamba autant de supporters autour qui ça là. Et on a un merci. Et là, on est là. Et ça, on a un colo, on a un colo, on a un colo, on a un colo, on a Fufu ya kakonto, toti ki abande mounso ba katange, et Fufu Bukula Bonseka, tope sa abande mounso ba kasein, parce que ben Moussa en ango, et Moussa a télévision, toti ki la Congo Bezo télévision, parce que maître Christian Bossembe, ako sa Moussa la nan nenga moukete, et l'ongona directeur Jérémy Béton. Donc ban ave abako se retrouvé d'accord. Déjà ba résultat toko zwa, à travers la chaîne YouTube, et zama kasi, ope boko pe sabiso, à travers l'émission, on a WhatsApp, on a un message normal, électrique et non. On est vraiment très, très suivi de partout dans le monde. Alors, le but de la prolongation, Jacques Drouma, avec les Baltiques aussi, sa championnat, il est en phase unique. Tu as 10 buteurs, tu as les 10 buteurs. Attends qu'il y ait l'amour du foot, attaque avec les Baltiques, qui ont un milieu du terrain avec les Baltiques, qui servi, attaquant convenablement. Pour Bacha Babi, il y a des choses qu'on doit réparer de part et d'autre pour que la saison prochaine qu'on puisse avoir l'attaque mitraillée qu'on a toujours connue de l'ASV Club depuis la nuit du temps. Merci beaucoup Santo. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire dans la manière dont cette équipe s'est comportée. S'il est vrai que dans l'ensemble on peut la côté est positivement. Mais il y a quand même des secteurs qui nécessitent beaucoup d'amélioration. Tout le monde dans le secteur défensif, vous avez vu que V-Club encaissait toujours. V-Club encaissait. Et il n'y a aucun match où V-Club n'a pas encaissé début. Presque tous les matchs, V-Club encaissait. Et vous vous souvenez même de notre élimination à Wana, dans le stade de martyrs. L'élimination précoce. Précoce, les buts qu'on a encaissés aux ultimes minutes. Pendant que tout le monde disait que tiens, on s'est frotté les mains en disant, le chemin est balisé pour la huitième de finale. Mais on s'est fait surprendre. Donc, il y a du travail à battre dans ce secteur-là. Le milieu aussi. De temps en temps, vous voyez, parfois, le milieu est en train de flancher, hein, laissant beaucoup de charges à la défense.
il faut y penser. Dans le niveau d'attaque, je pense que il faut toujours chercher à améliorer, puisque il peut y avoir des départs, il peut y avoir des sollicitations. Les joueurs qui sont là peuvent être sollicités et partir ailleurs, n'est-ce pas? Donc, il faut penser, il faut y penser et chercher des joueurs, des buteurs capables de finir les actions. Je dis bien finir les actions. Ceux qui ont besoin d'un finisseur, on peut donner 1000 passes. Bon, on a sur 1000 peut-être un quart et côté. Hein. Donc, il y a du travail. Il y a du travail, comme nous disons. Mais, comme j'ai toujours dit, il faut partir du néant. Il ne faut pas faire tabula rasa. Il y a une ossature qui existe. Bâtir sur base de cette ossature. Hein? Il y a des bons éléments qu'il faut garder. Ceux qui n'ont pas été bons, il faudra les laisser et le remplacer par des éléments qui sont plus bons que ceux que Vecle va lâcher. Il en est les mêmes des autres équipes. Hein? Donc, on est toujours en quête du mieux-être. On est toujours en quête des meilleurs, des mieux que ce qu'on a fait hier. Il y a du travail, il va falloir s'y mettre pour donner le résultat qu'on attend des Vecle. Mais aussi, comme j'ai dit, le résultat que nous avons sera fonction des objectifs qu'on va assigner dans le staff technique. Mais les objectifs, comme je ne cesserai jamais de les dire, sont aussi fonction des moyens. N'est-ce pas? Si vous assignez des objectifs au staff, il faut savoir quels sont les moyens que vous mettez à leur disposition pour que, par résultat, Ezala, bon objectif, on a Ezala obtenu. Mais ceux qui vont aussi signer, bon objectif, et que les moyens ne suivent pas, ça sera difficile. Voilà. Merci à vous, le buteur de la prolongation, Jacques Gros. Un grand merci également à la bande de Tubo Kolandabiso à travers Congo Bezo Télévision. Nabiso Zangibiso Siko, après car à émission. Au Kotimba, on a chaîne YouTube Congo Base Télévision, on a une émission intégralité mouvement. Parce que tout ce qui se dit ici est tellement précieux. Il y a un commentaire et belé, et ça noté. Aujourd'hui, personnellement, j'ai assisté à la réunion Mounene, où il y a un conseil, pas conseil, réunion, il y a administration, il y a ASV Club. J'ai vécu tout ce qui s'est dit là-bas, les moyens voulais-je dire. Au bâtiment à disposition, il y a staff technique. La bande dit cette saison, avec le bâtiment et le recrutement. Alors, toi, bêta recrutement, la bonne bêta recrutement parce que nous avons connu ou nous avons eu à connaître des recrutements. Il y a Niama, il y a Kafumba Kata, il y a Mzoko, il y a Bakata ou Saranate au sein de l'ASV Club. Mais par rapport, il y a recrutement, oui, ça m'a qui saison dernière. Na Oyo, Nana Yoki Lelo, bah moyen, Oyo, bah dirigeant avec les bâtiments à disposition, il y a staff technique. Pour nous communiquer là. Parce que Vecle a une compétition, il y a première zone, et le banc a déjà droit à l'éviter de la prolongation. Et ça, il y a un donc, coup de chapeau, on va diriger à ASV Club, on va aller à Kilelo, on va aller à Kilelo, on va aller à la saison prochaine, on va aller à Kilelo, tout, on va aller à Kilelo, on va aller à famille. Alors, essayez de faire une vigilance, et ça, on va aller à la place à Moukadesse par-ci, par-là, Toti qui a Moukadesse, na Banabasi. Banabasi, c'est ce qui Moukadesse, c'est ce qui entre vous, pas au milieu de l'ASV Club. Et vous avez dit, vous avez bien été dans le moi, souci Zali, vite à Kota Carré, Kala, vite à Roman équipe Kaya Carré, et vous avez dit que l'on a eu le Bami, avec la saison passée, l'ASV Club a été éliminé précocement. L'Ilobakout, on a eu le Bézaï qui est sous-souté. Mais le quoi bien mal à qui ne profite jamais. Bah, tu peux pas gagner la place avec club. Bah, on peut pas zaki éliminer. Bah, soit il peut car en anzi là. Donc, moi, au tiens, Moussa Pilikolo, à zaki parce que, parce qu'il n'y a jamais course n'a requin. Sauf ça, course n'a requin, n'est mis l'ouata. Tant on go tiens, Moussa Pilikolo, qui n'a pas mis premier. Requin, on a mis au parti à Sestikali. Donc, au boucalino, Moukou Ali, sur le quoi, ça, là, et ça, lui, sous-souté. Le but de la prolongation, j'ai deux mois. Bah, supportesse, bah, on a mis ça. Je peux quelque part, aux a supportesse. Mais, avec les babettes, nous avons eu des buteurs comme Glody Lilepo. Ah, il a marqué 10 buts. Tozu Muntuloko la Marouf, il a marqué 7 buts. Tozu Muntuloko la Kabwe, il a marqué 7 buts. Tozu Muntuloko la Obed Mayamba, 5 buts. Tozu Muntuloko la Glody Kikwama, 4 buts. Tozu Kanana, 4, on a 5, on a
Après, tout le temps, sur les 5 derniers, parce que les habiteurs vont aller qui 10 pour cette saison. Mais quand il y a un nombre de buts, on a écouté. Tout le monde dit que non, attaque avec le club quand même, répondant qui favorablement a besoin. Oyo, va supporter ce mandat que les langues. Au pays, ce qui m'a embrassé, attaque, on est ça que non, avec le club cette saison, a su consacrer sacré champion à l'INAFOOT pour deuxième saison consécutive. Bon, Nanina, Natcha, ma hypothèse, on a raté. Oui. Moi, je parle des évidences. L'évidence actuelle, les a que avec le deuxième. En oui. attendant, décision et management avec le Bakozwa. Oui. Ceux qui ont levé l'option, ils ont contesté décision et l'INAFOOT. Jusqu'au bout. Ceux qui sont sur le monde, jusqu'au bout. C'est le futur. Ceux qui ont le système à Tinasuka. Le présent nous dit que avec le deuxième. Oui. Par rapport à deuxième, entre, il y a des joueurs, entre guillemets. Non, le présent dit que avec le deuxième, pas entre guillemets. Parce qu'on n'a pas encore proclamé ni publicité. Moi, je suis. Les classements officiels au l'INAFOOT à Pessi, le but avec le deuxième. Les classements provisoires. Les même classements si c'est provisoire, c'est un classement. Oui. C'est sur base de ces classements qu'on va, on va envoyer le représentant de la RDC en Afrique. Donc c'est sur base du provisoire. Provisoire. En attendant que management avec les balles levées options, il y a qu'à contester, il y a qu'à accepter le résultat. Mais nous faisons avec ce qui est là. D'accord? Une chose est vraie. Alors, maintenant, il y a eu des buteurs, il y a des joueurs qui ont émergé. Ça, on ne peut pas se les cacher. Ceux qui veulent que le Babette qui balle bien, c'est la deuxième T. N'est-ce pas? Affrôler même Kozala premier. Affrôler même Kozala premier. Ceux qui peuvent la coopération litige s'il est Kozala premier. On ne sait jamais. Là, on laisse. Mais jusqu'au bout toujours. Donc jusque-là avec le deuxième. Donc ils ont bien joué. Ils ont quand même bien joué. Quand bien même que le championnat ou Sugi Nanzela, tu as évité la phase retour, ce qui est en Nengeni. Au vu du résultat actuel, donc nous disons qu'il y a des bons joueurs. Au Totangana, il faut commencer d'abord par le garder. Ça, c'est la première des choses. Oui. Commençons d'abord par le garder, si les moyens le permettront. Deuxièmement, essayer de voir si on peut ajouter un ou deux autres éléments qui viendront renforcer cette ossature-là. Ça serait une bonne chose. Hein? Donc, c'est comme ça, j'en profite pour le féliciter pour le travail abattu dans des conditions ambitions de Sotoebi. Hein? Mais bon, qui continue à travailler parce que jusque-là, comme nous avons dit, V-Club doit aspirer à mieux que ce qu'on a, on a vécu l'année qui vient de s'achever. Et comme nous disons, les ambitions de l'AS V-Club, je pense que tout évaluer, notre mesurer à travers niveau à budget au Bako présenté, hein, nous ne savons pas à ce jour quelle est la hauteur. Il y a budget avec club pour la saison sportive qui va commencer. C'est sur base de cela qu'on peut dire, ben tiens, avec club a des ambitions ou avec club n'a pas d'ambition. Un grand merci à vous, le but de la prolongation, Jacques Drouin. Un grand merci également à tous ceux qui sont branchés. En ce net moment, sur Congo Bezo Télévision, pas trop de commentaires à faire là-dessus, mais on a Obaksaka et Loro Moro jusqu'au bout. Balobi Mama Poutine, il y a Sakanarate. Donc, ce qui, l'INAFOOT, a répondu favorablement, ce n'est pas une menace. Il y a des litiges. Il y a des litiges. Ceux qui vont participer avec l'EB, dans le cas où vous allez bien, c'est Satan 2 et Bimassou pour la deuxième fois. Et pour ce Satan 2 Bimi, jusqu'au bout, dans la zone avec l'EB, dans le cas où vous allez quelque part, c'est bien d'être dirigé, d'être géré par des juristes. Donc, il y a des litiges. Maman, on s'est renaté. Donc, maman, on s'est renaté. Ce sera bas Satan 2 et Bimassou. Masolé Koyandenge Mtsusume, Nabi que l'INAFOOT ba conscient, Nabi que il y avait les litiges pour un joueur 1-1-1-1-1. Moi totang ngona no exacte. Donc joueur Rwanda, yé muta sali que non. Na ba prestation na e, ninga ki ndela ki. Donc il a joué frauduleusement et sali que avec club a rouza ba point côté kuna. Donc ce fait que va récupérer ba point wana cette saison, avec club a rouza le sous sacré champion l'INAFOOT pour la deuxième saison consécutive. Coup de chapeau na CG Patrick Banishai, coup de chapeau na maître Jean Didier Oyazali Kipepe, Oyazali PCGA adjoint ya ASV Club P juriste. Donc allez-y comprendre quelque chose que V Club est dirigé actuellement par des juristes, donc moindre pépin. Ceux qui V Club a tort, ba okanga maboko, mais ceux qui V Club a raison, ba okanga maboko nengeni. Est-ce que grand prêtre pasteur Fiston Mario à ça quand même beaucoup non à quand même beaucoup de pour et bimara toujours et qui t'a rappelé comme à la réception à domicile
La pression est bien, on a un grand point de passer justement. Maintenant, tous les supporters, il y a SV Club de Kinshasa, on est en train de se préparer. Championnat, et c'est si les beaux tenues, ils sont régulières. Tu retiens la bino image, il y a un entraînement, parce que l'équipe, il y a repos il y a un mois, en attendant Moussala et recrutement et Salaka. Il y a un garantie, il y a un autre résumé, il y a l'inafou, il y a une restitution. Il y a un match, 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 je dis bien, il y a un match, il y a un match. Avec le Babeta qui saison passée, parce qu'on est en train de travailler sur ça, pour vous allez vraiment garni pour vous CPLA, dans CPLA, à travers cette grande émission d'excellence qui est présentée en toute honorabilité, Carrefour, Vert et Noir, pourquoi pas, la chaîne Eco CPLA, tous les Congolais, et mettre tout le monde d'accord, ces derniers temps, Congo Bezo, télévision, vous Zangibisson la télévision, vous Yandibisson la YouTube, autant de fois que vous voulez. Bien au monde avec nous Moussala et Kosalema Mujimu c'est Mujimu dans des écoutes hier au Saranate. Alors le but de la prolongation Jacques Dromo, tout ce qu'il y a 5 joueurs. Surtout Baki si les 5 derniers joueurs au moins peut marquer parce que avec le Naïk et 10 buteurs saison haut. Tozana Pascal Mbanga il a tué 4 buts. Tozana Jacques Tompele il a tué 2 buts. Tozana Patou et Bunga Simbi a tué Moko merveille qui casse. Ache moko men, soto tali penza masone yo kendele la, merve ki kasa mesani sa ki biso, na babi ebele. Qu'est-ce qui a fait que saison a kita na bi moko, c'est parce qu'il servait trop l'équipe, c'est parce qu'il jouait trop collectivement, to yebite men, na ko joué collectivement, na ko pe sa ba ninga ba tchal nyo suzo kende kaka, na bonheur to pe na réussite, ya SV Club de Kinshasa. Yon to ko senga, na ba supporters bo ko landa biso, hein, bo fong la moi mitema. Bon mon agenon équipe la chose à Robeta pourquoi pas cette saison tant que n'est pas Musika pourquoi pas cette saison tous appelé Nzanza on a toi na ngoli sous na mboka na bande kozala et le comment on voit bien parce que depuis 1973 jusqu'aujourd'hui avec le Batika le sous ko ya na ligne Nzanza na mboka et on a joué une finale la Champions League en 2014 au Boebinenge le kai kaka na français au toko koma awa et on regarde ça qui biso coupe wana ni na aller ni na retour avec le Batika jamais pour perdre moi personnellement. Ce sont des journalistes qui ont assisté à un match aller et retour avec le club. Ngai Molobeli, le vainqueur de tous les dangers et motivateur de tous les motivés, Mikaïl Nunga. J'étais là. À Kinshasa, comme en Algérie, à Kendaki, à Talaki, au match Nenge, le club n'avait pas de mérité parce que eux-mêmes, les Algériens, bien que final, voilà, et Betamaka, jour à indépendance, Nabango, moi, hein, favoritisme, mais moi, oui, Salamake, Salamabake, non. On n'a pas mérité ce trophée. C'est Vert Club qui a largement mérité ce trophée. Mais ce qui était fait est fait. Pourquoi pas faire comme les Blancs, Champions League finale et Betamaka quelque part. Hein? Na match Moroka quelque part. Et Zateko pour les Français seulement en cas de match nil, le but marqué à l'extérieur compte double. Pour une finale, en tout cas, ce n'est pas vraiment intéressant. Je crois que bah, dirigeant, il y a CAF, bah, qui kota là. Na méthode, bah, on a pas côté Sayasika. Mais on a pu revoir côté Kuna Genon, que Beti sa finale. A rejoué encore la finale pour la deuxième fois. Cette fois-là, c'était pour la seconde zone au Jardro Mwalinga raté. Mais wana, on avait perdu dans le match aller, dans le match retour, to gagna qui, mais le score est suffisant pour tout tomber la ligne dans la bison à Bino Tolila dans le stade. Alors il faut féliciter les gens au Basalarake. Tobé ta finale, deux finales en quatre ans, il faut les faire, il faut être vécu bien pour se donner à corps et à cri pour que cela soit encore réalisable cette saison. Pourquoi pas? Dans l'année où l'administration ASV Club, bah, je commande, il y a section foot. Hein? Je dis que je suis en train de faire ça. Bazana commande la section foot. Mais cette fois-ci, Bazana commande la section foot. Je dis que l'essentiel pour que Vert Club et Kota. Nakati a conseillé la basse supporter son équipe, le Moyeko Betalissou Soubongo, finale, il y a Champions League, parce que tout ça, la compétition, Jacques Dromo, il y a première zone et non seconde zone. Le buteur de la promotion, Jacques Dromo, Veclep a eu 10 buteurs cette saison, en tant qu'analyste sportif, en tant qu'amoureux du foot, analyste dans les années. Merci beaucoup, Santo, avant d'atterrir la question, Anna. Oui. Taïna... n'a porté rectificatif Moko, oui. Le football de Betamara sur base de Mibeko. Oui. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, Mibeko, la plupart, va changer en gros.
la finale qui s'est jouée en phase aller-retour, la Champions League, les lots, et comme Gobe Tamaka en phase unique, oui. Sur un terrain net, c'est ce qui s'est oui. passé entre oui, oui. Ouak et, je crois, c'est quoi encore cette équipe-là, et au Sali que Ouak a gagné, qui a mis champion. Donc, Ouak, le Béli dans les temps. Non, j'ai dit, je suis en train de dire, ça a été, on a changé, donc, oui. ce qui veut que la chance d'arriver en finale, et Gobe Tamaka en phase unique sur un terrain net. Ça, avec le Foua et Bango. C'est vrai que déjà en Europe, tout le la Champions League, tous les cas, bien marqué à l'extérieur, ils ont compté sous doublé. Je pense aussi peut-être que l'Afrique va emboîter le pas en Europe pour que finalement, bien marqué à l'extérieur et contre sous doublé. Parce que ton moni impact dans le résultat, il y a balle, bien au contraire. Peut-être que c'est le meilleur qui perd parce qu'il a eu la malchance d'encaisser plus de billes chez lui à domicile. Donc, par rapport à cela, nous disons qu'il y a quand même une certaine évolution et il va falloir en profiter. En ce qui concerne le sujet abordé concernant les buteurs, vous allez vous rendre compte que finalement, ce n'est pas un joueur qui s'est mis en évidence. C'est une panoplie de joueurs. C'est une panoplie de joueurs, comme nous disons, une panoplie de joueurs. Donc, dans Vecleb, on s'est rendu compte que finalement, tout le monde pouvait bien marquer, quoi. Tout le monde pouvait bien marquer en commençant par les gardiens, ce qui est une bonne chose. Quand on prépare une équipe, c'est vrai, il y a des attaquants. Monsala Namori Chabi, mais ça ne veut pas dire qu'un 2 ne peut pas marquer, choisir occasion. Ça ne veut dire pas qu'un 3 ne peut pas marquer. Donc, tout le monde doit se dire qu'à tout moment, lorsque l'occasion, l'opportunité se présente, il faut marquer. C'est ça la leçon que je tire dans le nombre et le buteur au Tanga. Et si ça peut continuer comme ça, c'est une bonne chose. Parce qu'un bon matin, l'attaquant ne peut ne pas être en mesure de marquer, mais c'est un défenseur qui va marquer. On le voyait avec Flora Ibengue, combien de fois le défenseur n'a pas décanté la situation dans le match. Donc, tout joueur, au-delà du rôle à Sengeli a joué, est appelé à marquer. Et si on inculque cette philosophie dans le joueur Nabisso, je pense que ça ne pourra qu'aider l'équipe à aller de l'avant. Un grand merci à vous, les buteurs de la prolongation, Jacques Gourmoy. Un grand merci également à tous ceux qui sont branchés sur Congo Bezo Télévision. Nabande groupé beaucoup l'Andabiso à travers la chaîne YouTube partout dans le monde. Nabandi, Yamotuya et Kolobama, Andengé, Nepsakibino, Narobande, en suspens, Bandeko, Bauta Kilibanda, Bautiko, Kota, Sigo, Nabanda, au championnat, officieusement, et Katani. Parce que tous les grands clubs, Obabé, Saraba, expatriés, Nakati, Yara, équipe, Nabango, respectives, va libérer déjà va expatrier là-bas qui ne va comme il attend il y a préparation il y a autour au Singapour il y a un organisateur au Azali na foot oh il sala mabe salami lelo lobby et salamate on a besoin de vivre un véritable championnat ce championnat betem na ningo le ngobani la banzi ba marambo bele bele rosalate bon instaurant un système ce qui équipe adverse tout n'importe quelle équipe. Et bandits qui ont aligné sur les joueurs litigieux na terrain pour que, après championnat, tant que les sous sont dans le bureau, Koluka Kosamba, Patati Patata, ils ont attendu dans le club, Bimara, champion pendant 5 années consécutives. Si je ne me trompe pas, série à président Charles Mputu, on a gagné dans le bureau. Mais Vecleb n'a pas besoin d'être champion dans le bureau. Vecleb a besoin d'être Bimara champion sur le terrain. N'est-ce pas Akobimelango sur le terrain. Mais quand il y a des litiges, quand il y a à dénoncer, nous serons toujours là pour les dénoncer, pour permettre à ce que notre championnat ait un niveau moro. Le championnat ait un niveau moro, pourquoi? Parce que le championnat national, Otobengara Chan, et Beta Makapé, et Beta Marana Banani, n'a pas joué locaux. Et en tout cas, on a besoin que le championnat Nabiso ait un niveau moro à bien pour que tant que les Chan, tant que Kan, tant que ta chance, tant que parmi les deux pays jusque-là, au bazar, qu'au Simba Bendele, tous en a des chans, il y a malheureusement tout bête la ratolo. Alors, il y a un tout seul organisateur, Bobongi, c'est la bise au championnat. Si on dit championnat, la bande de chans, l'année prochaine, et qu'on a le sous-sous awa. Parce que quand on est au Kenya, déjà, moi, Kokoso et Zali, l'évité de la promotion, Jacques Domo, déjà perdre deux matchs, tous en dernier la poule avec 0 point. Tout en a moi, Mouké. Au moins, il faut qu'on organise un championnat pour que tout le monde ait la chance parce que quand tu as vu, on risque de tomber. Je pense que l'époque a chance, c'est là pour pas, ils ont déjà révolu. Oui.
Hein, faut pas penser que miracle les Alaka à Congolais, bah, Monsieur Bazanadoa miracle était. Au bête, il y a deux matchs, deux défaites. Même Soudan Oyo, à Sala, combien de matchs a gagné la terre, a gagné RDC. C'est un signe prémonitoire, il y a élimination. Donc aujourd'hui, il nous reste plus que 20% à chance. Mais pour que 20%, ils ont quand même 20%. 20%, ils ont quand même 20%. Ils ont quand même 20%. Mais ils ont la condition où il faut réunir pour que 20% on a et qu'on va conserver Rebisso. Avec la désorganisation actuelle, nous ne voyons pas comment est-ce qu'on aura même la chance de battre l'équipe de Mauritanie. Vraiment. Donc, alors oui, il va falloir changer le fusil d'épaule, comme on dit. Ce n'est pas avec cette désorganisation, il y a FECOFA actuelle. Dans le ministère, il y a sport qu'on peut espérer qu'aucun des cas. J'en doute fort. Un grand merci à vous, l'invité de la prolongation, Jacques Domoy. Permettez-moi de dire un grand merci à Maman Rose Ngoya. Babi, je suis là parmi vous, je suis devant vous. Nabanzi, Mukolo, Maman Nyokwa Maka, Mukolo Ebara, passionnant Makas Nenge Zalara, Mukolo Ango Lelo. C'est pour dire c'est mon anniversaire. Donc, la personne, Oazap, est mieux indiquée. Il y a un honneur, il y a un hommage mérité dans Nenge Longobani. C'est cette grande dame-là, Maman Rose Ngoya, un grand merci à toi. Nabanzi, tout ce que tu as fait pour moi, ils a tellement immense. Moi, là, le Belango Nyonso, avec des larmes aux yeux, je te dis merci beaucoup, maman, parce que ni t'étais toi. Bah, même si tu as fait un peu de temps, mais pour l'acteur qui boka, sinon, là, pour moi, là, na Nyonso. Bandima, pour tout ce qui est dans la rue, il vit ma taille, il vit ton âge, mais. Nazalaga, effectivement, yayo, je te dois tout. Un grand merci à toi, Maman Rose Ngoya. La bande de tout, beaucoup l'andabiso. Na prometta kibino eloko oyo. Na zongel ko promettre kibino ango lisus. Toutes les sections, au beaucoup l'andabiso. Na banzi, les plateaux et là. Bozan la activité, bozan la manifestation. Bo komé libiso, bo bengi biso nenge. Présent à les défenseurs de l'Est, Vecler Marcelin Moukouba. Que je salue en passant à Komela Kibiso, photo kita, to réaliser quelque chose na bande quoi les défenseurs de l'Est avec les pourquoi pas, to mba bango ta moi des 5 minutes na plateau après to continuer émission, ngé to sarana le buté de la prolongation Jadro moi bande groupé, la section paradis pas à Petrus, to zozé là. Oh nyon sa Komela Biso, to ko zala wana mais na bande fois passé ba depuis to bande na Congo Base télévision, parce que on a na remercier l'imbattable est bien plus fort que l'OTAN et l'ONU, mais c'est propre. John Malouk, Balobi Bende, les échos à jamais, tu as toujours été là, au Rosa, toujours. Nabiso, l'imbattable est bien plus fort que l'OTAN et l'ONU, mais c'est propre. John Malouk, on a beau s'en répéter, la locomotive puissante qui charrie plusieurs wagons. Excellence, Abbé Machine, l'homme au cheval. Donc, un grand merci pour toi, parce que parmi vos sponsors, Amine et autres, on a pour soutenir Bissot dans notre société. L'imbattable est bien plus fort que l'OTAN et l'ONU, mais c'est propre. John Malouk, on a. La locomotive puissante qui cherche plusieurs wagons. Excellence, à bien machine, l'eau, mon cheval blanc. Alors, petit à petit, tout le monde a émission de la débuté de la prolongation Jacques Dromo. Tant la benga, c'est vrai que l'élo, la journée a pied levé. Mais dans bilo au moins, il y en a tout, non, mais tout, non, il y en a tout, non. Dans un sens, il y a un nino qui est en bande de rebord, la bisou, non, non. En fait, je ne cesserai jamais de le dire que le résultat ne s'improvise pas. Hein, le football a cessé d'être un jeu pour devenir carrément une science où pour gagner, il faut travailler avec réunir les conditions nécessaires. On ne peut pas espérer avoir un résultat sans travailler. Donc, travail, on a fait un travail organisé, méticulé. Si on travaille vaille, on n'aura pas de résultats escomptés. On continue à être humilié comme nous le sommes depuis un certain moment. Vous rendez compte que même sur le plan national, aujourd'hui, la RDC a dégringolé. On est parti, je crois, de la 20e ou 30e place sur le plan international pour se retrouver parmi les 50 derniers. Et sur le plan africain, aujourd'hui, on a été éjecté des top 10. Tout ça, c'est le résultat de la désorganisation. Si nous voulons avoir des bons résultats, il faut mettre en place une bonne organisation. Voilà. Donc, si vous voulez aller loin, il faut mettre en place une très bonne organisation. Et je suis convaincu que les résultats, il ne faut jamais attendre les résultats dans l'immédiat.
Ce qui va résulter hier dans l'immédiat, tant mieux. Mais les résultats, il faut les préparer à moyen et long terme. Est-ce que nous travaillons pour préparer les résultats à moyen et long terme? C'est ça la question à laquelle je voudrais que les supporters essayent d'y penser, d'y réfléchir. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission de ce soir. Comment va Papa Drogmo? Ah, il va très bien. Oui, des petites salutations à tous ceux qui nous suivent en ce net moment. Coucou, Papa. Merci beaucoup. Niaki Papa. Bien évidemment, maman est aussi là. On ne peut pas parler de papa sans maman. Ok. Moi, je salue madame. Hein. Madame Drogmo, moi, je te salue. Merci beaucoup. Là où tu me suis depuis la maison. Mm-hmm. Fidèles téléspectateurs, amis de cette grande émission d'excellence qui est présentée en toute honorabilité, lèvres et humaines n'ont jamais été parfaites. Donc, je sais qu'il y a eu certainement des imperfections. Aux semaines prochaines, tu vas pour perfectionner en haut. Alors, ensemble, Bisson Abino, Togo Tonga, Congo Bez, ensemble avec Bino, à travers notre chaîne YouTube, Congo Bez, Bourgolanda Nios, Oelobami Lelo, Lelo na 22h, Oyarate Bisso, Olandi Bisso, jeudi na 15h10, Okoyoka Nios, Oelobama Kina, Pokwa Lelo, na Pessi, intégralité, émission na Bisso, ya Pokwa Lelo, et pas ya grand prêtre, pasteur, fiston, pourquoi pas, na maman Rose Ngoua, Babi, merci pour tout, maman, Tokoutani na Bino, mardi prochain. Mardi prochain, mais ça n'a pas trop dans mardi, hein, j'ai à l'éviter de la prolongation. Bien évidemment, c'est égal à la Macanissi. Je pense que tu recoutes en la prochaine. Voilà. Merci. Tu recoutes en la bison, lundi prochain, à la même heure. Et la rediff de cette émission, Ezali Bongo, le jeudi à 15h10. Mais, ce que Bimi Peka, si vous continuez la chaîne YouTube, au Kolanda Bison, c'est le bas, nombre de fois, nous là. Toujours bien. Un grand merci à toi, Néhémi Liwata. Un grand merci à mon dipro, Valoli Jérémy Béton, à Bossani Pété, la sagesse et l'intelligence au service de la presse congolaise, Maître Christian Bossé. Mais un grand merci à vous. Tous les Béclubiens sont contents et moi particulièrement. Je suis très, très content parce que la réaction, très, très favorable. Retrouvons-nous le lundi prochain à la même heure. Quant à moi, je vous dis bye bye. Merci. Merci. Alô, vaca por nossa.